Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable porter bah ou une nouvelle émission. N'oubliez bah notre date dans première émission. Eh bien, jeudi à 13. C'est mardi 13 août 2024. Alors, on a commencé là avec un petit message de sensibilisation, de détermination. C'est un message qui est longtemps véhiculé à travers les réseaux sociaux. Mais message, ça a l'impression que l'État doit faire un pacte sous chaque grain de monde qui dit ou c'est haïtien et haïtien qui t'a doué conséquent. Écoutez ça. Même Jacques Pep Israël a passé 400 années enchaîné, jodi a peuple haïtien en captivité. Mais c'est pas Dominicain qui vient prendre revanche sous Boyer, c'est pas occupation américaine qui retourne. C'est l'État, politicien et bandit qui enchaîne propre peuple paye. Yo réussi faire haïtien tourner étranger en Haïti. Ou en bas drapeau, c'est comme sous terrain l'ennemi. Jodi a gen yon frontière entre empilement mak petit yo. Nan kouri, sa la gen yon ti moun kay fami, on lot kay yon zami, li même li nan la ri. En pile côté, gen yon frontière entre élèves ak l'école, youn pa wè lot depuis octobre. Yon frontière entre chrétiens ak kek l'église. Lè yo vle yo mette tout yon frontière entre machine, moto ak gaz. Pou jwenn yon galon, fòk ou gen gros contact nan base. Gen yon frontière entre malheur ak marché, depuis kek temps, pa gen poche. Gen yon frontière entre classe moyenne ak maket, pa gen pousse chariot, soti ak gros paquet. Devant magasin, ou pas pour aucun signe qui marque ça, mais tout le monde connaît, poche vide pas entrer là. Il y a une frontière entre divers travail avec employés, dans la factory, gongo la rivière inflation entre 500 gouttes là à couvrir. L'argent touché pour un an travail, pas qu'à payer 6 mois caille. Il y a une frontière matissant sous Sotokay, faut qu'on passe en bas camion, mettre main en l'air, juste sous rivière portail. Ou pas à l'aise Port-au-Prince, mais non plus, ou pas qu'à arriver en province. Mais puis, gros frontière, c'est entre gangou à manger, à poche toute malhérée, l'argent gagne zan, depuis le coupé fâché. Dans pile quartier Port-au-Prince, il y a une grève qui a respecté sans le pas de jambes annoncé. Dans marché pressé, courir quitter zone insécurité, malhéré a oublié si depuis matin il va manger. Situation pays a tellement dit, c'est comme si l'enfer est l'ouvrant annexe en Haïti. Airport l'ouvre, mais diaspora a gagné interdiction d'entrée. Ça déjà en dac, passeport en main, chaha a besoin de la guerre. Avion a lié tant que camionnette qui marque express partout, Chili, Brésil, Mexique, Tiki, yon quantité jeune aller chaque jour. Sak pa aller courir exil et petit à l'étranger, pitol la batte pour vinn gen de l'eau nanje. Problème diaspora gen là-bas, fait quelques moun Haïti perdit habitude de mettre main en bouche. Dernière fois zami sa jeune non transfert, si c'est pas sous Obama, sans doute c'était sous bouche. Ou ta saisi kon ki jan quelques moun ap si vive. Pa gen sauce aller voir pour viande, c'est bouilli banane bois de l'eau vive. Comme manger midi quelques maléré, c'est la gè deux pain en chaudi à quelques branches d'olive. Mais parce que souffre nous tout pour couper, nous fait audace pour nous dire, nous c'est moun kap viv. Nous kap passe misère, yo kap malmené nous, bandi capable ap krasé, brisé. Mais écoutez, la volonté, il faut qu'elle soit là. Oui. Ça veut dire nous même tout, faut que nous montrer, nous voulons vivre. C'est comme si, malgré tout bagay kap passe dans le pays, ya, mais nous même qui c'est les écrasés de la société, les opprimés, nous pas voyer en kin message pour nous montrer que eh bien nous voulons vivre et faut que nous vivons. Parce que nous la gueko nous seulement rete à regarder sous autorité, nous camper à regarder sa bandi a fait, nous camper à regarder la police, nous camper à regarder Kenya et qu'est-ce que vous faites en retour? Rien. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous faire bagay. Moi m'étais toujours dit nous ça. Au lieu que chaque grain moun ap mouri à genoux. Li préférable pour que c'est collectif là qui mouri pendant l'ap gade tout moun danger. Moun kap touye lyo. C'est bagay ki bel. Lo kampe devant moun, moun nan l'ap fort injustice ou di écoutez, malgré tout bagay, c'est injustice wap fait. Par exemple, pour l'école, ou gen raison sou professeur là, li rale oui gwazli pour le kalo ou di c'est vrai wap bam baton. Mais écoutez, c'est arbitraire et illégal sa wap fait. Est-ce que nous comprenons? Donc, je pense que l'île est l'état, message ça a. L'état nous permet de nous faire un faisceau davantage. Et un faisceau convergent, c'est pas divergent, non? Pour nous dire, non, ben, écoutez, faut que nous fassions bagay. Qui t'aime, dis-nous, dans le jour qu'a venu là, yo, capable de gagner un petit crépitement? Tu vas être tout petit, non? Gros son, ok? Et parce que là, depuis quelques temps, on pas attendu la mort. Alors, je ne vais pas dire l'homme sans jour, donc c'est pas l'homme sans jour, c'est vite l'homme. Depuis quelques temps, on pas attendu vite l'homme est en mode recrutement, ok? Monsieur là a intégré un série de nèg dans base là donc dans jour qu'a venir là capable gagner l'obé et pas oublier vite l'homme lui il est rancunier
Et à moun li en a fait dans game nan la, li plus 400 marozo. Et la police. Donc ça veut dire que, par le fait que, dans le dernier moment sa yo la, monsieur 400 marozo yo, yo infligé en série de revers à clan vite l'homme nan, donc vite l'homme pas envie qu'en pégade. Mais non seulement souhaité, si nan yo pral décide pour yon fond bataille, que tout le monde qui est dans la population civile n'est capable de faire des terrain pour troquer les gens. Parce que la bataille, là, sans jour, éviter l'homme, semble être une bataille qui n'est pas jamais finie. Chaque nègre prend bois. Des fois, c'est éviter l'homme qui baille bois. Des fois, c'est 400 marozo qui baille bois. Et nous sommes capables de dire, pas grand kilomètre qui sépare les gens là, dans l'espace contrôlé. Ça veut dire que c'est quelques centaines de mètres qui sépare. Par exemple, on prend une rivière grise là avec pas l'autre bogalette. Ça veut dire, éviter l'homme a semblé force. Pour le capable de retourner dans le game. Nan. Si la police t'a fait un bagay, la police t'a tout profité de faiblesse ça et puis l'hypothèse bourrée. On nous passe dans l'autre dossier qui gagne ouais avec gros bouy fan tout petit petit crasé. Là nous dit gros bouy fan dans société ça, des fois gagne de moun, gagne bagay qui rive yo, li représente un choc. Mais si c'est ti malheur et arrive le crasé plate. Comprenez bien ça m'a dit nous. Tout gros bouy fan tout petit petit crasé. Et pour ça, nous devons mettre en application. Tenez bien. Si nous allons dans la réalité, on a dit que pourtant bois, pas qu'à gommer, pourtant fait. C'est même logique, gobouille, fan tout petit petit crasé. Scandale corruption, Gary Kony, shooté derrière Raoul Pierre-Louis dans tête BNC. Raoul Pascal Pierre-Louis, il n'est pas président conseil d'administration Banque Nationale Crédit encore. Et moun qui écarte, c'est le premier ministre Gary Kony depuis 8 août 2024. En conséquence. Il y a un comité gestion qui est placé pour diriger l'institution bancaire. Si là, et dans une lettre adressée par Raoul Pierre-Louis, il indiquait que par décision gouvernement, il a demandé à régulateur système financier, qui est Banque nationale République d'Haïti, pour mettre en place, attendez bien, oui, dans la Banque nationale de crédit, il y a un comité de gestion en attendant nomination et installation. Yon nouveau conseil administration. Dans le contexte, là, d'après Gary Kony dit dans l'étlan, il décide pour mettre fin à fonction Raoul Pierre-Louis comme président conseil administration BNC. N'a pas rappelé que M. Pierre-Louis écarté dans fonctionné après il dénoncé trois membres conseil présidentiel transition, hein, à savoir Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin qui ont même ta exigé 100 millions de goud pour capable Gembeli dans poste si là qui c'est président conseil administration BNC. La décision prise par Gary Kony lui semblait n'ta capable dit un petit genre réchauffé relation entre est-ce qu'on dit exécutif, on dit conseil présidentiel et gouvernement. Kounya ça pour comprendre par cette décision Gary Kony c'est presque lui le président et le premier ministre en même temps. Parce que quand même, il a sauvé réputation, M. Sayo. Est-ce que nous comprenons? Même les gens qui pas dans des cobs, mais quand même, et à force que vous attendez plusieurs scandales tomber sous don série de nègres, mais vous êtes capable de dire tout en haut que, ah, nègres, ça a gagné le parfum. Quoi, droite, non? Parce que après bagay BNC, vous attendez un cob là, qui était pour acheter gaz dans le ministère sport, cob là fait l'autre route. Au point que gen moun qui ont même qui démissionné. Donc c'est autant de questions. On est à de poser tête tout. Là, Gary Kony, lui-même, il a pied sous cou, même ça y est, dans le conseil présidentiel, là, par cette décision. Et Gary Kony montre tout simplement que c'est lui-même qui seul maître à bord. Bref, faut me dire que le 12 août, c'était journée mondiale de la jeunesse. Gary Kony, le premier ministre, il est partout, ce mec. Il a pris la parole, nous sommes capables de dire pour encourager la jeunesse. Sous ça, nous sommes capables de les perspectives 24-25, c'est-à-dire 2024 et 2025. Gary Kony m'a dit, jeunesse là, dans un message, il est livré dans l'occasion, ben, fuck yo positivé. Pendant ce temps, le gouvernement lui-même l'a travaillé sur un série de projets qui gagnent ouais, avec la jeunesse. Mais jeunesse là, lui-même tout, faut que positive. On écoute le premier ministre, Gary Kony. Et thème jeudi, qui c'est
jeunesse, secteur numérique et sécurité. Évidemment, le cas interprété de plusieurs façons, particulièrement dans le contexte dans lequel Haïti vit aujourd'hui, contexte difficile que nous avons traversé aujourd'hui. Lorsque vous pensez sécurité ou pensez quotidien que nous avons tous les jours dans le bas de la ville, contrainte que nous avons pour nous traverser le pays, insécurité et peur que la famille connaît chaque soir, incertitude sur l'avenir, évidemment, c'est ça qui préoccupe nous. Pensez que cadrage cérémonie ça beaucoup plus spécifique autour de la sécurité liée au numérique. Même pas nécessairement sûr que y'a dissocié. Mais la vérité est une vérité très simple. Aujourd'hui, le succès des sociétés, le développement durable, ne se conçoit pas sans une participation intelligente de la jeunesse. Et ceci est vrai particulièrement en Haïti, évidemment, où la jeunesse haïtienne a démontré temps après temps, période après période, non seulement sa résilience, mais capacité pour innover, pour sortir solution des circonstances les plus difficiles, pour continuer à aller de l'avant quand vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien que de l'espoir. Une opportunité qui est créée par la technologie, c'est le fait que jeunesse là est beaucoup plus connectée que jamais. Et grâce à l'essor du numérique, elle a accès à une quantité infinie de connaissances, à des opportunités d'apprentissage sans précédent et à des réseaux globaux qui lui permettent de collaborer avec des esprits brillants du monde entier. On réfléchit à ça un petit moment, je dirais. Parce que déjà, moi-même, je me suis 23, 24 ans, l'opportunité, ça n'a pas existé. Il n'est pas possible pour en quelques secondes, en quelques minutes, mon contact avec au monde qui a même l'âge avec, même intérêt avec, même ambition avec, même de connecter avec lui pour nous partager intervention et pour nous partager information, pour nous partager ressources, pour nous collaborer ensemble sur des projets, pour nous parler aux Haïtiens qui vivent au Canada depuis des années, qui ont connaissances complémentaires en technologie qu'on même au besoin pour finir une idée, pour construire un projet, pour capable avancer dans le propre départ. Déjà, moi-même, le dégueulage, nous, ça n'a pas existé. Et potentiel, ça a son potentiel extraordinaire si nous capitalisons sur lui, si l'État joue un rôle pour le permettre de nous capitaliser sur lui de manière efficace et efficiente. S'il assure que d'abord, accès à cette technologie, ça, est équitable, il n'y a pas de force côté. Mais ce n'est pas un groupe de monde qui a accès à lui parce qu'il y a une électricité, parce qu'il y a un moyen pour acheter un computer, parce qu'il y a un monde qui montre au serveur ordinateur. L'État a une première responsabilité, c'est que pour accès à l'opportunité, ça, il démocratiser pour qu'on jeune, quel que soit côté ou sous territoire, pour gain accès à lui. Le monde numérique offre des opportunités sans précédent. Mais il vous faut, en tant que jeune, pouvoir la saisir. Et il faut que l'État, en mesure de bannir l'accompagnement nécessaire pour nous saisir le bien. Ces partenariats, ça, ces coordinations, ça, ces collaborations, ça, que je n'ai aujourd'hui à l'ouvrir pour nous comme porte d'entrée. Si nous avons une utilisation intelligente des outils numériques, nous allons pouvoir être beaucoup plus compétitifs à travers le monde. Dans un environnement numérique bien structuré, vous allez pouvoir développer des compétences essentielles pour vous adapter à une économie mondiale en constante évolution. Vous allez pouvoir participer activement à la transformation sociale et même d'avenir des leaders, vous allez devenir des leaders dans la création de solutions et de défis contemporains. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et c'est ça, surtout, que nous devons tous comprendre ensemble. Maintenant, comment nous assurer-nous que l'État joue un rôle? Comment nous assurer-nous qu'un paquet de monde, et je dis ça pas plus tard que la semaine dernière, le regard de l'État, où on rend compte que moins que 25% de l'État a moins de 33 ans. Donc, la majorité de l'État sont un paquet de monde qui, très souvent, pour nous ouvrir un téléphone, c'est petit, moi, je vous l'aide. Donc, comment nous faisons nous-mêmes pour nous assurer que l'État est capable d'accompagner nous pour nous capable efficace la nouvelle opportunité ça que le monde crée pour nous? Et bien, moi, je dis nous trois bagages que je vais entreprendre. La première chose, c'est que nous engager nous pour nous assurer nous que l'engagement, le recrutement qu'on va faire dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, nous assurer nous que nous avons une large proportion de jeunes garçons et de jeunes femmes.
Nous pensons que c'est important pour apporter non seulement énergie, mais aussi innovation, créativité dans l'État. Pour que autour de table de discussion, l'homme réunit avec ministre, directeur généraux, m'su que mon voix qui comprennent technologie, qui comprennent opportunité qu'il crée, qui ont contact avec le monde entier, qui moderne la façon de penser. Donc c'est première priorité. Comment nous assurer-nous que nous changer l'État pour que les jeunes participent effectivement. Je ne parle pas comme étant prétexte. On ligne, on discours, mais au présent, dans toute dimension de discussion sur l'avenir. Là, c'est le premier engagement. Deuxième engagement, nous allons regarder dans quatre jambes budget, année fiscale prochaine, à créer, à conçue, pour nous assurer nous, que tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui concerne l'accès à l'Internet, tout ce qui concerne l'accès au monde numérique, il fait partie intégrante de réflexion, même en période d'exception, même en période de crise. Ben, c'est ça excessivement important. Mais le troisième élément qui est tout aussi important, c'est que nous-mêmes, nous devons jouer le rôle. Nous devons pas chita dans l'État. Nous devons marcher sous l'État pour nous dire l'État que nous avons obligation de service, nous avons obligation de rendre nous compétitifs et nous attendons nous à une série de bagailles bien précis de où. Dialogue, ça a tout aussi important. Et le, n'a pas célébré événement comme ça, c'est opportunité. Je regrette que je me rate et première conversation. Yo, parce que c'est opportunité nous-mêmes de nous dire ça nous est, ça nous voulait, qui ça attente nous est et comment nous voulons travailler à l'État pour nous réaliser à l'État. Toujours dans la même occasion, si la Journée mondiale de la jeunesse, il y a un parti politique assez qui est même organisé une activité. Objectif activité, si la, c'est montrer que j'ai une nécessité pour capable impliquer à fond. Dans la bataille qui visait changement réel pays d'Haïti, la participation de la jeunesse dans le changement pays, c'est un bagage qui est évident en pile. Et vous avez profité de vos messages, si là, en marge de cette activité. 12 août, c'est journée internationale de la jeunesse. C'est une journée qui était adoptée à travers l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 17 décembre 1999. Depuis lors, depuis 12 août l'arrivée, il y a un pile côté, il a commémoré journée ça comme une journée, il a montré que jeune c'est tout bon l'avenir n'importe société a. Mais nous même en assez, nous croyons dans ça et nous non seulement nous croyons dans ça à travers ça n'a dit mais à travers action nous tout, nous te voulons marcher dans sens ça, nous offrir jeune un forum de la jeunesse côté que alors, il baptiser un forum de la jeunesse qui baptisait une jeunesse inclusive pour une société sans exclusion, parce que nous croyons que depuis jeunes, il y a une prise de décision. Nous pas seulement dit jeunes sont là pour aider les gens à pouvoir, mais jeunes sont capables de prise de décision. Parce que nous avons regardé en France, là, jeune premier ministre démissionnaire, là, c'est 35 ans que M. Gain. Pour qui ça nous même un jeune dans 35 ans, il est considéré comme un administrateur, un groupe WhatsApp, tout simplement, pour qui ça n'a pas qu'un espace pouvoir, pour qui ça n'a pas qu'un espace décisionnel. On a dit jeune, tout. Ce n'est pas chita, garder pour longer pouvoir à Baou, ou gagner décision pour dire qu'on quitte la zone de confort, pour que vous venez rejoindre assez, par exemple, qui mettait à fond dans le combat, ça, pour que vous croyez que jeune, non seulement c'est l'avenir pays à travers parole, mais à travers action, tout. Donc, c'est dans ce sens, nous même mouvement de jeunes assez, nous avons décidé d'offrir jeune yo forum ça un espace côté que des cadres du parti à partager ensemble de structures qui ça asseyé dans qui ça assez quoi et yo même tout c'est une possibilité que yo gagne pour échanger avec nous pour intégrer nous tout pour renforcer belle équipe ça que nous gagne pour que nous capable faire Haïti que nous rêver Haïti que nous tout attendons tout bon vrai fondamentalement yo dans côté qu'on suppose assurer qu'on capable préparer futur là avenir là ou bien futur leader nous c'est à travers formation que parti a parti yo de faire mais nous même dans assez nous assurer que en dehors de ouvrir que nous ouvrir porte parti à jeunes mais nous assurer tout que dans cadre yo pour venir futur dirigeant il n'y a pas une école où l'on va vous apprendre à devenir un dirigeant non c'est pour nous même fondamentalement dans structure politique yo dans parti politique yo et c'est rôle ça même que nous voulons jouer nous voulons continuer jouer dans pays pour nous encadrer jeunes nous faire formation pour jeunes yo et pas seulement dans Port-au-Prince dans toute zone reculée qui gagne dirigeant parti à tout côté qui gagne jeunes d'ailleurs assez son parti national assez son parti qui a préparé l'élection à tous les niveaux assez son parti qui voulait continuer perdurer dans le temps donc c'est pour ça nous investissons en pile dans jeunes monde c'est pour ça nous invitons jeunes yo rejoindre nous dans assez et quand ils rejoignent nous yo pas uniquement de suiveurs
Non, yo pas de suiveur. Yo pral venir pour venir sous table là, faire valoir idée yo, yo capable prendre pour sa responsabilité tant que moi-même, moi prendre pour sa responsabilité, je dis à mon vice-président. Donc assez cet espace ça, c'est espace politique ça à côté que dès que ou c'est membre ou capable venir ou dit sans penser ou viser quelque soit poste ou voulez et son parti qui croit dans l'alternance. Et c'est pour ça année prochaine, genre statut à dire on va faire congrès pour quel que soit membre parti là ou capable de venir dirigeant parti. C'est délégué qui a voté pour. Donc c'est ça nous bat tête nous comme responsabilité dans le pays. C'est pour ça me c'est pas uniquement 12 août nous fait activité pour aujourd'hui. Ça nous fait tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que c'est comme ça pour parti a grandi. C'est pour ça pour parti a contribué à un demain meilleur de pays. Politique la licence c'est décourager monde dans ça yo. Et c'est pour ça nous besoin de patience, nous besoin de modèles, nous besoin de monde qui est engagé. Lorsque nous jeune impliqué dans la politique aujourd'hui, je pense que vous avez 10 000 exemples pour Bali. Pour prendre temps pour convaincre, pour dire même pour qui ça le doit impliquer. Parce que aujourd'hui, il y a une impression que la politique a utilisé pour craser le pays. Il y a une impression que la politique a utilisé pour faire corps au détriment de l'autre groupe. Donc, il faut gagner de l'autre monde. C'est ça que les nouvelles classes de leaders, de femmes ou de hommes, d'hommes, ça m'a parlé, qui supposent venir pour bailler, pour prôner l'autre bagaille. Et c'est justement ça c'est à faire. Nous, prudents, à l'idée de ne pas pour ne pas gagner un masse monde comme nous ça pas réellement doctriner comprendre que ça nous défend comme valeur nous prend temps pour nous former jeunes et moi quoi n'a pas résultat moi dis assez pour l'élection à tous les niveaux ou à garder pour fondal natal c'est même ces jeunes nous gagnons la cellule d'appui technique c'est toutes jeunes dans deux domaines différents c'est eux qui a préparé projet société patia. C'est eux-mêmes demain l'on prend pouvoir si nous prenons le diriger, l'on diriger, ça qui nous prend le diriger. Et c'est pour ça que nous sommes partis. D'ailleurs, nous-mêmes sommes partis démocratiques. Nous disons clairement que la seule façon pour nous prendre pouvoir est dans l'élection pour nous aller. Et c'est pour ça que nous disons, malheureusement, la situation actuelle n'a pas fait nous parler au premier rang de l'élection. Mais nous disons, d'abord, c'est la sécurité. La transition qui a, elle doit mener nous dans l'élection. Mais l'élection tributaire a une question qui est la sécurité. Et maintenant, si vous voulez une question de transition, nous-mêmes dans notre sorti, dans l'intervention que nous faisons dans la radio, nous disons clairement que jodi à là, le gouvernement de Gary Conny, le conseil présidentiel de transition, il y a un seul bagage qu'il y a pour faire, c'est mener un pays dans l'élection. Pour mener un pays dans l'élection, il faut aborder la question de sécurité. Pas de temps qui a perdu, pas de uniquement une question de partage de gâteau. Et mais ça doit être clair. Et dans toute radio, dans toute rencontre que nous faisons, soit à membre CPT, soit à Premier ministre, etc., nous faisons valoir l'idée, nous disons clairement que nous avons une seule mission là. C'est faire élection pour remettre le pays à des gens qui sont élus. Maintenant, nous considérons que pour faire élection, il faut qu'on aborde la question sécuritaire. Donc d'abord, c'est la question de l'insécurité, de la sécurité et ensuite les élections. Il semblerait que ça ne passe pas trop bien entre le clan de Guy Philippe, alors les vrais alliés de Guy Philippe et Monsieur Réveil National, Jean-Tel Joseph. Donc apparemment, selon certains proches de Guy Philippe, Jean-Tel Joseph un peu dérouté dans l'action la posée. Yo. Bref, il y a là l'ancien ministre des Travaux Publics, Joasséus Nader, qui s'est proche de Guy Philippe. Il dit qu'il pas reconnaître sa Réveil National. Donc, Jean-Tel Joseph a fait. Mais ancien ministre lui-même l'a frappé. Il tape du poing sur la table pour dire que mais ça qui pour fait sinon voulait résoudre problème dans tout bon frais. Et il prend exemple une série de pays en Afrique pour dire que pays ça yo t'en a un problème mais qui ça qui fait pour capable délivrer pays ça yo. Donc Joasséus Nader et Guy Philippe deux copains et pendant ce temps dialogue yo après possible avec d'autres acteurs qui impliquaient dans cette capable les batailles pour sauver pays ça et pour n'ta capable diguer plus moun dans structure si là une manière pour capable river sauver pays d'Haïti. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour après-demain? Parce que à dans pays là on est lancé à dans bataille ben ou capable dire tout que réponse là pas tout de suite. Et river à ton objectif là, c'est pas tout de suite parce que gain en pile embûche sur route là. Comprenez bien. Il y a trois façons dans le monde là, nous on prend pouvoir aujourd'hui. Nous avons mode Sri Lanka, peuple a gonflé pour en parler, il met équipe dans le pouvoir, l'échanger. Pacifique et démocratique. Gain méthode Kabila Joseph Désiré Kabila, République démocratique Congo. Il était mandé pour Mobutu Sese Seko remettre pouvoir
li pavle, li gonfle en série de monde, li prend zam, li entre dans le pays, et puis li prend République démocratique Congo, li installe. Gen logique, et Ibrahim Traoré en tout, li wè ba yop mal marché, li gonfle l'armée, et puis il prend pouvoir. Donc, pas gen l'armée ici, ça réussit. L'autre là, c'est voix et Ousmane Sonko, Diomaye Faye, et à l'élection, il prend pouvoir. Pas oublier, Macky Sall pas de faire élection. Parce qu'il estime Ousmane Sonko très populaire, il a pris le pouvoir. Et il mettait Ousmane Sonko dans prison. Finalement, il mettait Diomaye Faye dans prison. Peuple en ouest, c'est trop à temps. Eh bien, il dit aucun dirigeant n'a pas bien paix d'esprit. Il marchait la caillou, il commençait à déchouquer la caillou. Finalement, le Parlement prend une décision, grâce à Ousmane Sonko, il a l'élection, il prend le pouvoir. Donc, il a choisi qui voit pour nous entrer dans le palais, parce que le peuple a choisi pour mettre Guy Philippe dans le palais. Guy Philippe, c'est un oiseau qui a deux ailes, qui a même plusieurs ailes. Qui ailes qui a mené en Jérusalem? Est-ce que toutes les ailes ont combiné ensemble pour atteindre l'objectif qu'il visait, changer la vie de la population haïtienne? C'est ça que Guy Philippe a besoin. Il a besoin de tout le monde combiné ensemble. Et tout le monde, toute organisation qui est dans le pays, quelle que soit l'organisation, même si pas lui-même, il n'est pas là, il n'est pas créé, il veut que nous composions ensemble pour nous retirer Haïti dans la misère qu'il trouvait là. C'est ça que Guy Philippe souhaitait. Guy Philippe pas tawel mourir pour Haïti pas changer. Il est prêt pour le composer avec tout le monde qui a une volonté manifeste pour changer l'ordre des choses positivement dans le pays. Guy Philippe n'a pas besoin de répondre si c'est Frank qui a délivré, si c'est X, Y, Z qui a délivré. Seulement, il dit bailant mais à tout le monde, longe bras non bail tout le monde pour nous travailler ensemble pour nous libérer le pays. Okay. On a fait mouvement dans mardi, dans les Caraïbes. On a fait réservation, il dit non, mais qu'il est dans le cas. Et à chaque fois, pour nous faire, Guy Philippe fait réservation, non pas joindre l'espace dont il a besoin. Donc, lui-même, qu'on y a, dans ma dit, ça, toute équipe et cap, groupe réflexion, mandé, l'étant, et pas oublier, bah, il y a passé en Haïti, tant après dans la guerre. Donc, quelle que soit la situation, on a fait le mardi. Mardi, comme il était gay, et des mondes qui étaient sortis dans le pays étranger, qui étaient besoin de rencontrer avec lui, notamment en français, et lui, pas capable, c'était, et grandesse. Avec, et le passion encore, est-ce qu'il a bien autant de l'envoyer qu'il était obligé de faire là? Voilà pourquoi il n'a pas là. Et Guy Philippe vient pour nous faire une déclaration publique prochainement pour l'expliquer aux populations pour qu'il ne pas là, jour lancement. Mais c'est un lancement symbolique, non fait, mais gros lancement, la fête bientôt. Mais comme man, va perdre un paquet d'actions politiques qui passent dans le pays, hein, frein besoin paraître à grand jour, nous faisons un lancement symbolique. En attendant, on fait tout le monde capable présent, même le monde qui est dans le pays étranger, capable présent, il y a des monde qui viennent spécialement pour lancement, mais compte tenu des contextes, on n'a pas de cas de faire un gros bagaille. Et même les gens qui sont proposés de faire un gros bagaille, le risque pour être écrasé dans tout, c'est très grand, où est-ce que ça se passe, il y a dimanche là. Comme on a déjà une expression optimiste, le leader de l'opposition. Nous connaissons que dès le départ, le Guy Philippe Patré, il était attribué l'expression ça à lui-même. Laurel, ouais, c'est le leader de l'opposition à l'époque que Ariel Henry était sous pouvoir. Je viens de dire, plusieurs mondes ont cléonné, même expression ça m'a attribué à l'autre monde qui s'est jeté Joseph. Est-ce que ça n'a pas une division qui vient entre le Frère National et Frère qui est parti politique, qui fait venir là avec ses partisans? Bon, je ne vais pas prendre ça, m'abri vers yo gen en tête yo. Maintenant même, nous connaissons notre travail dans l'idéal et révolution idéal qui finit par prôner, c'est-à-dire un changement radical dans le pays. Donc, l'idée, c'est Guy Philippe. Si réveil pour notre leader, nous ne connaissons pas, nous pas dans le réveil. Mais ça, nous souhaitons que Guy Philippe, son oiseau qui a plusieurs ailes et notamment des ailes. Si réveil d'ap travail pour Guy Philippe, frein pas qu'à empêcher le continuer de travailler pour Guy Philippe. Sauf c'est pas de ça, sauf c'est pas si c'est pas de ça et idéal li, m'pa konnen. Mais nous même nous connaît idéal là, c'est arriver faire révolution hein, et nous connaît seul yon révolution capable permettre pays et
arriver côté de Braléa, c'est-à-dire transformation positive là, faite avec une révolution, sans quoi, quel que soit le monde, on met dans Braléa, même si on mettait 9 mondes, on mettait 10 mondes, 20 mondes, on mettait un seul monde, rien pas changer. Tant qu'on va faire une révolution, pour remettre tout en question. C'est-à-dire, moi dis déjà, depuis logique, ajustement structurel là, Occident verrouillé tout l'État, l'écraser toutes les institutions de l'État, sous prétexte la mener dans Jérusalem, la changer binon, comme des faits de changer binon, il vient faire non, un état déplorable, je dis, ouais, ces âmes qui n'ont même jeunesse pays. Et toute institution de l'État, ça, c'est des peuples qui sont là-dedans. Ils ferment. Et institution ministère, ils verrouillent. Aucun emploi pas qu'à créer. Et dans tout pays, quel que soit le pays, même si les États-Unis, emploi pas qu'à créer, eh bien, jeunesse pays, ça, c'est présent. Est-ce que nous sommes d'accord avec eux? Non. Mais il faut donc comprendre la réalité. Qu'on y a, si nous voulons les amis déposer, il faut donc commencer à créer emploi. Il faut donc résoudre le problème salaire. Là. Et tant que nous ne résoudre emploi et salaire, parce que nous avons un emploi au monde, en pire, des fois, les jeunes dans le travail, après 3 mois, ils quittent. L'air d'apprendre dans la rue, il était plus bon. Quel est le travail là? Et c'est ça pour nous poser comme problème. Et ça, c'est notre cas résolu, c'est pas Occident qui a résolu pour nous. La pose de question est de voler. Est-ce que Réveil là, nous chita déjà avec nous, chita déjà avec Front, pour connaître comment le papier, si oui. Est-ce que. Qui est-ce que répondre à la deuxième question? Est-ce que Réveil là, chita ensemble avec Front? Président Guy Philippe, tu fait tous les démons, notamment Jean-Tel Nader, parler ensemble. Il était question pour Jean-Tel venir là, pour nous venir là, pour nous parler ensemble. Jean-Tel, bon rendez-vous, il va y avoir venir. Bref. Est-ce que. Guy Philippe dit, il souhaitait nous tous travailler ensemble pour nous retirer le pays ça à côté de lui. Si on monte vraiment son changement radical au besoin, pas de côté pour qu'il y ait division. De côté pour nous rencontrer l'autre en route, pour nous travailler ensemble. Nous-mêmes, nous n'avons pas de travail avec nous, ni de travail contre nous. Nous-mêmes, nous travaillons pour le pays ça arriver côté et nos transformations positives. C'est ça que fait Anda, frère. Il est vieux, tant qu'on est moins jeune, tant qu'on est Philippe. Il y a des jeunes, Patrick et autres, Romulus et Sony et tant d'autres encore. Et ces gens sont capables un peu pralé et pour faire toujours été. C'est ça que fait. Dernièrement, on dit frère, son institution qui est là à vie pour lui voir comment transformer positivement le pays d'Haïti. Donc, après un compte de Jetel Moïse, de Jetel Joseph avec vous. Deuxième volet. Oui, oui, oui. À nous dire, vous avez répondu à des volets, comme on pose une question qui est à pour sortir. Est-ce que nous espérons que, après un compte qui est en fait entre Parti Frère avec Réveil, que dans la même révolution qui a fait en Aria, Frère a fait pilater à tout? Depuis Frère met pilater, on va sortir. Moi, je crois. Depuis Frère met, certainement. Respect nous gagne pour le président Guy Philippe. Il m'a dit, ministre d'ailleurs, moi je compte sur appuyer le mouvement. Non pas contre le mouvement. Mais non pas les partisans, non, tout pas être devant pour dire, mais frère, viens prendre le mouvement dans le pas oublier, il y a confusion comme ça, il faut nous faire attention. Si nous pas être trop devant, il nous venir prendre le mouvement. Non pas être du tout, il nous boycotter. Nous sommes en retrait. Pour nous entendre le mouvement, fin prend et déraper et nous dérouler back up mouvement. Mais malheureusement, dans tout compte, ça a passé. Et le système n'a toujours bien essayé de garder le système n'a même leur travail en faveur. Depuis du temps de la colonie, ils étaient toujours comme ça. Mais la différence qu'il y a avec garder le système dans la colonie à garder aujourd'hui, c'est qu'ils vont les garder le système colonial là, tu prends conscience. Parce que garder le système dans tout ça, tu gardes tout. De Saline de Gadjendou, Christophe, François Biassou, tout. Mais ils vont là, ils prennent conscience, ils ont dit, misère, ouais, ma sécurité, ça va passer, ils n'ont pas qu'à continuer à servir le système dans le même genre. Malheureusement, Gadjen, je dis, malgré, yo, c'est les gens qui mal payé dans la société, ils ont revendiqué les droits. Par contre, si c'est doctriné, ils ont doctriné tellement bien, eh bien, ils ont accepté, maltraité les gens qui ont parlé pour eux. C'est là qui m'a le rendu à pays. Oui, et. Révolution. C'est pas pouvoir. Et pour parler de révolution, il prend pouvoir là. Révolution, il va faire des ordres. Pas oublier, toute révolution passée par la prise du pouvoir.
n'a pas goumé pour nous prendre le pouvoir. Mais ouais, ils mettaient garder le système dans devant pour empêcher nous arriver pour nous. Et n'a pas dit ça, n'a profité pas de ça avec la police et même la justice. Le système n'a tellement pas compte comment arriver à endoctriner les gens. Mais même leur travail pour les gens, il y a plus côté moun kap détruit yo que moun kap parler pour yo. Deux moun qui créent stabilité dans le pays, c'est la police et le magistrat. C'est eux même qui constituent la plateforme justice. La police, 80 à 90% là-dedans, a touché moins que 28 000 gouttes. C'est-à-dire moins que 250 dollars américains. Si un changement radical fait, il y a payé moun sa yo dans l'argent pour payer yo pour faire un détail des dépenses journalières pour être qui prix minimum pour cabaye en police. Mais pour le moment, il va pas comprendre. Comment comprendre? On juge d'instruction pour moins que 500 dollars américains par mois. Moins que 125 dollars par semaine. Comme il fait mon cadeau aux États-Unis. Est-ce que moun sera jamais content? Et parfois c'est révolte ça, oui. Policiers gagnent peut-être donc pas qu'on a interprété. Parfois policiers dit date n'a pas mouvement, nous va aboutir avec elle pour nous délivrer. Parce que là nous pas qu'à faire mouvement avec elle et parfois nous d'avoir avec eux. Yo veut dire grand quantité de monde nous mettons là oui, même si police en ville pas qu'à faire. C'est ça qui fait demander tout le monde qui a fait mouvement chercher moyen pour qu'on ait un moyen politique. Si ou pas gagne moyen politique ou pas bailler la police en traque parce que lui même les conditionner. Parfois, il y a des policiers qui sont conscients de pour qu'ils travaillent. Mais ils disent, bon, nous n'avons pas de moyens, puis nous avons fait un macaque, nous avons fait un bête du temps, parce que nous grand goût. Déjà, c'est ça que je veux dire, non. Et ça, moi-même, dernièrement, je me parlé, peut-être, Jean-Tel, je n'étais pas content. Moi, je dit, est-ce que nous avons un moyen politique? Parce que force qui devant nous, on pas petit. Il y a tout système dans le monde. Et le système dans le moyen politique, il y a un moyen économique, il y a un moyen social là, tout dans le monde. C'est-à-dire, même presse ça qui devant nous, il y a une bonne partie des presse traditionnelles, surtout avec eux. Il y a qu'à faire manipulation bien. Donc, nous-mêmes, si nous n'avons pas fait ça avec eux, il faut nous gagner des gens avec nous. Et les gens qui sont conscients, il faut nous éduquer la population. Tout. Jeunesse, vous pouvez faire jeunesse, non? Il y a appauvri, il y a mis le nom misère noire pour ne pas sortir d'une zone ou l'autre. C'est-à-dire, pour sortir la ville pour aller d'Elma, il faut prendre moto, côté la bonne cobla. Yo kon sa ou fait très bien. Et moi-même félicite nous comme jeunes qui en dans métier et journaliste, nous a sacrifié pour nous comment changer positivement l'ordre des choses dans le pays. Donc c'est ça de fait, c'est ça mener nécessité quel que soit mon nom, quel que soit notre chapelle politique koyé, mettre main ensemble pour nous ouais si nous ca changer et situation population. Ouais, au contraire. Il y a tellement de misère noire. Tout le monde a cherché à manger dans le pays. Et en plus, nous comprenons, il y a des jeunes, des pour jeunes, il faut faire sexe, des pour faire sexe, ou faire petit, des pour gagner petit, ou gagner responsabilité. Même l'on va faire un bagage, petit, la prier, il faut voir qui sort pour porter Bayo. Le système, il y a plus que 200 ans pour ça. Et pas oublier, le président Jovenel avant de mourir de Dieu. Mon Dieu dit, nous avons 50 ans depuis l'appel comme ça. Ce n'est pas même qu'il vient changer pour nous. Et il est tellement. Veux changer, nous trouvons ça trivial et me féliciter Ibrahim Traoré qui hier qui dit ou pas le président haïtien t'a changé baillou pour nous mais qui ça trivial souvent il dit ça pour faire attention. Mais je venais de dire si c'est pas qu'on y a nous attaquer pour nous changer baillou, nous pas besoin de changer encore et travail ça nous même nous fait là donc qui décaille nous vient côté là pour nous entendre c'est parce que nous voulons changer et c'est participation ça appuie ça nous cabaille nous baillou. En nous tous goûter ensemble, suivant possibilité ou pour nous rester, nous faire chaud, à bruit, et tout côté. Et là, nous dit, c'est vrai, chambardement. Ce n'est pas chambardement, nous avons connu à détruire le monde. C'est changer tout l'ordre des choses en administration. Je dis à nous, le ministère des Travaux publics, côté me connaît, côté me fait toute expérience, même passé plus de 30 ans là-dedans. Le ministère n'a pas créé aucun emploi. Seul tient pour le créer, c'est mettre le monde dans le cabinet, bon petit contrat pour un an. Et contrat bon pour un an, dès qu'il allait, le contrat éliminé tout. Et parfois, il y a un bon contrat, ou fait un an de travail,
c'est pendant l'aller on rend compte qu'on ne va pas jamais signer et que on pas jamais toucher encore. Est-ce que nous cas mener en jeunesse non direction pareil? Souvent monde salaire fin fait 1 an dans l'état. Li connaît gain 1 an salaire li pral joindre. Pas malgré son deux jours de travail parce que avec pour ambition que bientôt il a payé et l'elle rivé lui ouais contrat le retourner, il dit contrat pas jamais signer. Et bien monde ça facilement, li décourager à bien. Ouais, c'est dans gang l'aller. Les bandits le devenu. Qui est-ce qui est responsable? C'est nous, les dirigeants. Et c'est ça que je peux moi-même souhaiter. Tout dirigeant dans le pays d'Haïti prend conscience. Quel est le dirigeant dans le ministère? Quel est le dirigeant dans le Cour supérieur des comptes? Quel est le dirigeant dans le CNMP? Quel est le dirigeant dans la finance? Quel est le dirigeant dans le ministère de la planification? Nous tout fait. Si nous renseignons tous ces éléments qui a utilisé, nous fait gardien. Nous fait gardien système non, sans nous pas rendre compte. Nous détruit jeunesse sans nous pas rendre compte. Voilà pourquoi. Mandez tout le monde ça. Entrez dans la chambre questionner. Est-ce que moi-même qui a gardé le système non? Qui a composé, qui a traduit que AXA, c'est gardien système non, li protéger système non pour changer. Et dans le cadre de ça, moi-même, moi et Guy Philippe, mandez non. Travaillons ensemble pour nous voir comment nous avons trouvé au modus operandi. Pour nous changer l'ordre des choses positivement dans le pays. Bon, nous-mêmes, nous prenons la prôner idéal, révolution, Guy Philippe, Vinavella. Quant à l'équipe réveillée, nous ne pouvons pas faire ça. Je ne pas faire ça dans la tête. Je ne pas participer dans la réunion. Je ne pas connaît. Mais ça, je connais. Le peuple a suivi tout le monde. Leader, c'est Guy Philippe. Depuis le roi prend coup, la bode, peuple la bode. Ça me dit tout comme ça. L'idée, c'est Guy Philippe. Si on va utiliser le nom Guy Philippe pour arriver dans son besoin, le peuple est très intelligent là pour tout le monde. Moi, je suis là pour me faire un bateau. Je suis tout le monde, loyauté, dans le caractère, c'est un bagage qui est dans la culture japonaise. Et depuis, on dit oui. Et l'aime donc parler d'idéal Guy Philippe Blanc, parce que l'idéal Guy Philippe Blanc semble tête coupée à l'idéal Jovenel Moïse. Et c'est ça que fait tout disciple, Projo Moyo, base Ami Jo Moyo, MVP, Fonod, tout vini en bas plein pour constituer base pour nous faire révolution. Quant à l'autre équipe, là, c'est lui-même dont a dit qui est-ce qui est l'idéal. Est-ce que Guy Philippe ou l'autre monde? Mais depuis on t'a dit, après le peuple, font demi-tour rapide et viennent totalement gonfler dans le frein. Parce que le frein là, pour freiner toutes les dérives, toutes les descentes aux enfers pays. Et moi, le frein commence à implanter dans 10 départements, bientôt dans 56 communes, pour nous tomber dans 560. 11 sections communales. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Bon, dis à mes amis proches, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier ben, notre petit pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!